Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Skull and Bones. C'est une suite directe. On venait d'arriver sur l'île de Sainte-Anne et on s'apprête à aller voir le chef des pirates, enfin le pirate en place quoi. Allons voir Sherlock, Skurlock. Cette pauvre Locke a survécu au naufrage. C'est ce qu'on dirait, oui. Un rescapé. Entre, crevette. Occupe-t'en, ou ne te montre plus jamais devant moi. Imbécile. Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison, mais t'ont recraché. Espérons que tu en vaux la peine. J'avais besoin de ces marchandises. Tu vois, ce port vit du commerce avec Chuling. Ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide. Et tout ce que je reçois, c'est une lettre. Ce crétin me traite comme le dernier des valets. Je lui envoie une belle cargaison, et il en veut le triple. Il me faut d'autres capitaines. Alors, je peux voler des marchands pour vous trouver ces marchandises. Je peux me débrouiller pour acheter ces marchandises. Bah, les pirates, hein. On n'est pas marchands. Tu as un esprit de pirate. Il va te falloir apprendre à évaluer les prises. Et des canons. Crevette, j'ai vu le baquet qui t'a amené ici. C'est tout juste si flotte. T'as de l'ambition, mais t'es loin d'être prêt. Tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire? Forge-toi une réputation et gagne le respect des gens. Le reste suivra de lui-même. Ensuite, je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans. Va, je sens que nous nous reverrons. Alors, la famille permet d'estimer votre grade dans votre influence dans la communauté des pirates. Des contrats seront disponibles en fonction de votre niveau d'infamie. Plus le défi est difficile, plus vous pourrez gagner d'infamie. Voilà, en fait, c'est comment on appelle ça? C'est mes niveaux, quoi. Non, c'est pas ça. Alors. Ah, voilà. Je suis un paria. On peut aller jusqu'à vaurien, écumeur, flibustier, boucanier, brigand, maraudeur, corsaire, coupe-gorge, kingpin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, kingpin c'est le plus haut et après ouais. On va s'amuser à aller jusqu'au bout, hein. Ce qui a un bout aussi, c'est ça le truc. Ce quai commence à être envahi. Donc, construisez votre flotte avec l'aide de la communauté pirate de Sainte-Anne. Adressez-vous au chantier naval. Et bah, allons au chantier naval. Ce plat est merveilleux. Où est le chantier naval? Alors. Chantier Nail. Tout droit. Ce n'est pas en creusant le fossé. Bonjour, je voudrais un bateau. Ah, un
ainsi, c'est vous qui venez de l'épave de l'Exeter. Scurlock voit peut-être quelque chose en vous. Mais moi, je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel. Dites-moi, que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil ? Le roi des pirates, ce sera moi ? Non, ça c'est pas moi, c'est Luffy. J'ai l'intention de régner sur les mers un jour. J'ai l'intention de prouver ma valeur. Veillez à ce que votre détermination ne vienne pas de Scurlock, mais de votre propre volonté. La vraie boussole du pirate, c'est la ruse. Ne l'oubliez pas. Je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos, d'une bourse pleine de pièces, et que Scurlock vous prenne dans ses bras. Ha ! Sainte-Anne aura plutôt fait de vous trancher la gorge que de devenir votre paradis. Je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan Indien, comme la Margaretta de Scurlock. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer, Capitaine. Alors, les outils de la profession. Le capitaine ne peut utiliser, ne peut aller bien loin sans les bons outils permettant de naviguer en mer. La recherche d'opportunités. Fabriquer des outils de capitaine afin de rassembler les matières premières. Pour votre premier navire. Les sloops sont appréciés des pirates. Le pirate dirige son navire, certes, mais son comportement par gros temps dépend de qui l'a fabriqué. Allez voir mon ami Zen, le charpentier, et il vous aidera à fabriquer les outils permettant de récolter des matériaux de construction navale. Merci, revenez me voir. Une scie, une faucille et une pioche. C'est le forgeron ? Ah non, c'est lui. C'est le menuisier. Ujambo. Jusqu'à présent, vous avez tenu grâce à la chance. Mais pour vous tailler une réputation ici, il va falloir vous salir les mains. Telle est la vie chez les pirates. Je n'ai pas peur de faire couler le sang. Je veux devenir un pirate célèbre. Pirate célèbre, non, je m'en fous. Parce que si tu deviens pirate célèbre, forcément, tu vas. Les gens, ils vont vouloir te tuer. Et donc, je veux devenir un bon pirate. Pas le plus célèbre. Mais, genre, on. Genre, voilà quoi. Les mecs, ils me croisent, ils veulent pas me buter, mais il dit, ok, lui, respect quand même, voilà. Donc. Vous en voulez ? Cela me plaît. Mais faites bien attention et veillez à verser un autre sang que le vôtre. Nous pouvons nous entraider, vous et moi. Apportez-moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île rouge. Ivio, nos deux renommées en profiteront. Alors, plans des matériaux sont nécessaires pour fabriquer les armes et les équipements, d'accord. Les outils de récolte servent à extraire les matières premières, d'accord. Les outils, chacun diffère de petits. Et ok. Donc, fabriquer de nouveaux objets. Il me faut. Des planches. Le déchirer. D'accord, donc à gauche c'est ce que j'ai. J'en ai 15 et 35. Il m'en faut 2 et 1. Bah, il me faut ça. Il me faut ça. Et il me faut ça. À une autre fois. Donc, il me faut de la carte. Voir la mission. Carte provient à fabriquer une carte pour localiser les ressources
Acacia. Non, c'est pas ça. C'est ça. Comment? Ah, on dézoome comme ça. De l'acacia. De l'acacia. De l'acacia, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Bon, on va aller à droite, là. Pardon, hein. Allez. À mon rafio. Parce qu'on peut appeler ça clairement un rafio. J'espère que vous avez un plus gros navire, capitaine. Je ne tiens pas à vous ressortir de l'eau. Je vais te le monter, je vais te le montrer, mon gros navire. Et prendre la mer. Donc, on avait dit à droite. Je vous remplis rapidement notre cale. Donc, si je dis pas de bêtises, faut rentrer et c'est à gauche. Ouf. Il est dur à diriger. Je ralentis. C'est pas juste, hein. Poil de fion. Cette tempête va nous offrir de plus belles prises. À vos postes de combat. Attention, crocodile. On ne tardera pas à chanter vos louanges, Captain. Récolter de l'acacia. Oui, mais non, j'ai envie d'aller en récolter d'autres. Histoire de. Et l'autre, il est un peu plus loin, je pense. Hop. On récupère. On s'arrête. Il est où l'acacia ? Zoomer. Ah, il est là-bas. Ça hein. Est-ce que ça c'est de l'acacia? Ok. Voile 1, voile 2. Je vais reprendre juste un petit peu encore.
Votre vaisseau peut être surchargé si... Ok. Non, tant qu'il avance. Pardon. Allez, on rentre à la maison. Non, c'est un bateau. Enfin, c'est un bateau, c'est pas un bateau ennemi, je veux dire. La mer est inconstante. Un instant, elle est votre amie. Et celui d'après vous entraîne dans les profondeurs. Et ouais. Pas fou, Skills. Ouais, on est lourd, on peut pas... On peut pas déployer la... Comme on dit, la deuxième voile. Deux nœuds, c'est pas beaucoup. En même temps, on ira à la gueule, donc... Je suis à combien? Ok, je peux transporter 40. Pardon. Le boutre, ma foi, de par sa taille, il est bon que pour la pêche. Je me moque de cette foutue prophétie. Le peuple de la mer ne battra jamais le clan. Vous avez du travail à me proposer? Bah tiens, je te donne le bois. Un poulet qui couve des œufs de crocodile cherche les ennuis. Je craignais de ne pas vous voir revenir, comme les autres partis chercher du bois dans des eaux infestées de crocos. Continuez comme ça, camarade, et la fortune viendra à vous. Vous avez fait un pas de plus vers la possession de votre navire. Cool, il m'a donné des sous et un truc, je sais pas c'est quoi. Un navire digne de la mer. Donc un capitaine, son point sel, sans un navire bien à lui. Fabriquez votre premier navire pour lancer votre attaque sur les mers. Vous avez fait du chemin depuis que vous êtes sur la côte en quête de bois flotté. Pardon. Si vous avez de l'argent, je serais ravi de vous vendre des modèles volés à des chiens de marchand. Avec les bons matériaux, vous pourrez construire un navire digne des leurs. Bah moi je veux bien. Je veux bien un bateau. Alors, lui, il nous propose... Alors, il nous propose un bateau de deux, le défenseur, l'escorte,
Maître Blion. Je préfère la terre. L'exploseur. Bien trop pénible. Donc la ligne d'en haut, c'est que des petits. Là, le bombardier, on attaque le moyen. L'avant-garde. Le briscoq. Le pyromane. Et qu'est-ce que ça raconte sur notre bateau? Attendez, je bois un coup. Trente secondes. Les galions sont dépassés, mais efficaces. Alors, je vous ai laissé le temps de lire, pardon. Je me suis mouché en fait. Alors, un épreneur. Je suis pas trop pour le côté tu rentres dans pour couler un bateau, faut rentrer dans un bateau. Mais bon. Alors, la classe Bléda, enfin Bléda. Ouais, carrément, d'accord. Un petit bateau, dont le petit petit navire maniable qui peut éperonner les cibles. Causer des dégâts, d'accord. DPS, spécialisé dans les dégâts et les effets d'état. Le DPS privilégie un style de jeu agressif. Lancier augmente les dégâts d'éprenage de 25% et diminue l'effet de ralentissement des voiles déchirées de 50%. Applique inondé à un navire ennemi lors de l'éprenage. Rang de navire de base 1, santé de coque, force de promenade, vitesse, cale 2000, c'est pas mal, endurance 100. On peut mettre des canons sur le devant et sur les côtés, et mobilier, il n'y a rien. Alors, faire démarrer, il m'en faut 8, j'en ai 8. Acacia, il m'en faut 10, j'en ai 42. Je construis des navires. Et oui. Du jute, il m'en faut 20, j'en ai 20. Bah écoutez. Ah, il est comme ça. Est-ce qu'on voit les autres? Non. Il est comme ça. On a notre premier navire. Changer de navire, sélectionner Bléda comme nouveau navire. Déplacer la cargaison dans le nouveau navire. Déplacer la cargaison dans l'entrepôt. Ne pas changer de navire. Si on va. Que je mets ma cargaison dans l'entrepôt. Bon, pour l'instant, vous savez quoi, on va faire ça. Hop. Oh, regardez-moi ça. Un navire qui vous appartient et une côte regorgeant de richesses. Allez maintenant voir Thomas, le forgeron. Je dois voir quoi? À moins que vous ne comptiez frapper les navires de la compagnie à force d'épronage, il vous fabriquera des canons pour couler vos ennemis. Je dois voir quoi? Je dois voir du... un peu de bois et un peu de poisson, donc s'en fout. Allez, on va aller faire des canons. En temps normal, je ne m'occupe pas des moins que rien comme vous.
et encore moins des roupies de Sansonnet. Mais j'ai vu que rien ne dépassait des sabords de votre navire. Oui, je viens à peine d'avoir le bateau. J'ai opéré ce qu'il faut pour arriver mon avenir. J'espère que ces canons en valent la peine. Vous avez l'air d'avoir de l'appétit. Je veux pas commencer mais à l'insulter. Mais des appâts de la compagnie. Elle peut vous éventrer de la proue à la poupe. Le naufrage de l'Exeter nous a laissé sans réserve. La compagnie le sait et tire profit de la situation. Apportez-moi ce qu'il faut et je vous fabriquerai de quoi embrocher ces grenouilles. Les grenouilles, c'est pas les Français ? Pour arracher ah merde, un bout j'ai de pas lu, je suis désolé. Compagnie, encore faut-il avoir des dents. Mettez pause. Pour l'instant, ce n'est pas votre cas. Il vous faut du matériel. Vous allez devoir trouver ça. Allez, au travail. J'étais en train de parler, je pensais pas vraiment et j'ai cliqué sans faire exprès. Donc on a quoi ? Toutes les armes, d'accord ? Du pont. Toutes les armes de pont, d'accord ? Les armes du pont supérieur. Les armes auxiliaires. Les armes de Bristol me manque. La protection. Et les munitions. Donc apparemment, je dois... C'est quoi le truc? Je dois fabriquer 3 coursives et 120 boulets. Ça? Ah, j'en ai fait qu'un. Comment on fait pour en choisir plusieurs, on peut pas? 2 et 3. Et je dois faire... Sans 20 boulets. Les forgerons aiment le feu. Vos canons sont capables de percer toutes les coques de la compagnie. J'ai eu un coffre ? Ah oui, un coffre de cordage. Ouais. Ça avance bien là ? Enfin, ça avance bien. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Parlez au forgeron. N'allez pas vous noyer dans une flaque de boue. Je peux vous fabriquer une belle arme, mais n'allez pas vous tirer dans le pied. Ah, c'est ça qu'il faut prendre ? Est-ce que c'est ça qu'il faut prendre? Rappelez-vous, on ne se connaît pas. Comment va la vie, pirate?
Pour alimenter leurs efforts d'expansion agressive, la compagnie est allée jusqu'à Saint-Anne pour chercher des ressources. Les navires de récolte de la compagnie qui pénètrent dans la zone autour de Saint-Anne. Bon, les ponts sont frottés, ça doit être ça. Les canons nettoyés et vous avez du cœur au ventre. Alors, il est temps de vous attaquer aux navires de la compagnie. Ces arrogants faquins croient que mon fer leur appartient. Mettez-les en pièces. C'est ça, équipez votre navire avec les canons, équipez votre navire à quai et des armes et l'équipez. Ok. Donc. Pardon. Thomas le forgeron choisit ses clients. Vous pouvez accéder au menu du navire depuis n'importe quel endroit du navire utilisé pour gérer la personne de votre équipe. Ok. Et donc là. Alors, capitaine, on prend la mer. Gérer le navire. Armes. D'accord, donc. Un ici. Un ici. Et un ici. Mobilier. Pardon. Augmente l'accélération de 300% pendant quand le réglage activé avec endurance à fond. 5% de l'endurance et consommation sans amener pour déclencher ce qui fait. On répond. On met. Décoration. Personnaliser l'apparence. Ok, donc ça c'est pour personnaliser l'apparence. Ah ok, on a que ça comme ça, je vais pas mettre ça pour l'instant. Et on a que ça. Mettre ça. On en a fini ici, capitaine. C'est quoi ça? Wow. Mettre ça. Ah, on peut tout. Bah voilà, on est bon. Tout ça, c'est ma cargaison. Bon, on va pas regarder, on va prendre, hein, et puis on va prendre la mer. Allez, ce que ça fait, attendez, je regarde vite fait. Captain, votre longue vue, qu'on identifie cette sangsue française. Je regarde vite fait, c'est là. On est à combien? On a 34.
Ok, on doit aller là-bas. Ok, super. J'ai défoncé un gars. Première sortie, je défonce. C'est par là-bas. Donc on y va, je vais tuer les bon, la vidéo sera plus longue, hein, mais je vais tuer tuer les mecs et puis on... Enfin, on fait cette mission-là, puis on s'arrêtera là. Oh, la lune rouge! Le sang a coulé cette nuit. On voit couler cette nuit. Je sais plus c'est quoi le terme précis. Voilà. Ah d'accord. Ok, c'est pour se planquer. Et je lui laisse, c'est pas mon... Donc R3. Notre coco. Ok, quand en bas à droite je suis dans le vert, ça utilise du boost. Ah merde, j'ai oublié le... Est-ce que c'est eux? Ok, c'est eux. Apparemment, il faut toucher les trucs rouges, parce que j'ai compris. Freine.
Je suis mauvais, hein. Ah oui, c'est là où je vise, d'accord. Ah, on les a chopés. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Poisson grillé, viande de requin. Non, c'est à droite. Noix de coco, fer des marais et argent. Comprendre. Et où le deuxième? Il y a bas. Touché. Touché. Touché encore. Alors, noix de coco, pain grillé, fer des marais. Alors, c'est pas là, c'est là. Maintenant qu'on a fait, on peut retourner. Alors, que je vous explique. J'ai beaucoup joué à Assassin's Creed Black Flag. Et dans Assassin's Creed Black Flag, on avait des bonus quand on... Comment on appelle ça? Pardon. Quand on abordait... Enfin, en fait, avec l'abordage, on pouvait réparer son bateau... faire baisser sa notoriété, enfin sa, ouais, enfin enlever des étoiles à la GTA quoi, et et récupérer le bateau. Et là, je ne sais pas si j'aborde ou si j'explose le bateau comme l'autre il fait là-bas. Comme là-bas. Ah, il a explosé. Ben, je sais pas si... Sainte-Anne est là-bas. Je sais pas si c'est pareil. En gros, si j'aborde, est-ce que je récupère plus de ressources que si je fais couler le bateau? Ou est-ce que c'est kiff? Si c'est kiff-kiff, bordage, t'en as rien à foutre. Vu comment c'est galère, elle t'explose le bateau, boum 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 boum, et tu récupères tout en mer. Ils vont peut-être, je sais pas, ils vont peut-être l'expliquer. Ouais, le bateau, il est...
Ah, déjà, il est mieux que... Il est mieux que le bateau qu'on avait. Enfin, le bateau. Le rafio. C'est où pour la quête? C'est là? Qu'est-ce que ça dit? Informel, le forgeron de votre succès. Donc c'est le. Ah bah non, bah c'est là. Complètement débile. S'il vous faut quelque chose en métal, mon enclume est prête. Ces grenouilles ont à peine combattu, pas vrai? Je vous félicite. Les récits de votre victoire ne cessent de s'embellir. Vous avez fait forte impression sur les pirates de Sainte-Anne. Ils aimeraient faire affaire avec vous. Bon, on a Et j'ai d'autres tâches, si cela vous tente. On a coulé que deux bateaux, hein. On n'a pas fait... pas fait des trucs de ouf, hein. Ah, on est passé, vaut rien. Forger de nouvelles armes prend du temps et nécessite beaucoup de ressources. Mais les nids transportent des armes qui ne demandent qu'à être saisies, battez les escarmoucheurs de la compagnie et pillez leur cargaison pour le forgeron. La prochaine mission sera agitée. Mais si vous réussissez, même Skurlock en entendra parler. Des navires de guerre de la compagnie transportent des pièces rares que je suis prêt à payer cher. Coulez ces navires et la mer engloutira ces pièces. Mais bien sûr, il faudra aller à l'abordage. Ah! Attaquer et piller. Donc, d'après eux, il faut aborder. Sinon, ça ira dans l'eau. D'accord. Acquérir rouage. Et d'accord. Donc, bah on a eu notre réponse. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire une troisième vidéo sur la découverte. Sur la découverte du jeu, donc sur le début. Pour voir si si ça va plus. Si le didacticiel c'était juste aller jusqu'à Sainte-Anne et après vas-y gros t'es parti. Ou si on te tient encore à la main un petit peu et puis après on te lâche. Donc merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et à ciao les amis.